d'accord, bien sûr, c'est en avant. Oui, les pains beurrés, les trois quarts, c'est ce qu'ils demandent, hein. Ah, les mecs, ils veulent s'arrêter, quoi. Faire de la place. C'est les mecs qui veulent s'arrêter quand c'est fait partout. Je sais pas comme il faut, il y en a un se garer à gauche là. L'homme là qui a ouvert ses volets, c'est une chose. Ils ont du monde maintenant le matin, eux. Ça va tout. Ça va, quand c'était la Nelly qui tenait, t'avais moins de monde le matin quand tu passais. Ça va tout. Oh, ils sont gentils, eux. Ils ont toujours été gentils. Le jour, je suis arrêté avec le... C'était avec le couple. Et là, j'ai eu gazant. Oh, j'ai dit, je vais boire le café du thé. Et le bleu de l'ennemi, là, c'est que j'ai pas pu boire avant. Je suis arrêté là. Je veux dire. Eh bien attends, hein, il y a une serveuse, c'est la plus vieille, qui, enfin, je sais pas si tu l'as vu déjà, là, la plus ancienne, qu'ils ont embauché là, la nouvelle. Là. Donc, il était la voir pour lui demander si elle voulait un café, elle dit, elle en veut pas. Elle dit, elle va pas rester à midi, jusqu'au comme ça, ça rien prendre. Elle dit, attends, je vais aller la voir. Et là, au moins qu'elle fasse quelque chose, elle dit, de fruits, n'importe. Ah, voilà, voilà, et ils sont pas désagréables avec le personnel. De manière, hein, je vais te dire. Hein. Et eux, ils sont gentils avec eux, et bien, ça peut mieux que tourner, hein. Déjà, si ça se passe bien avec le personnel, les clients, ils le ressentent après, hein. Mais la maquille m'a dit, attends, c'est 100% de différence, hein, avec les autres. Ah, j'avais vu la dernière fois, avec son mari, elle me disait que les heures supplémentaires sont payées et tout, et ils baisaient les sous sur la mutuelle aussi, les autres. Ils ont baisé des sous la mutuelle, mais ils essayent de partout, quoi, à les baiser, quoi. Nous, j'ai mangé, là, tout seul, c'est pas hier, avant-hier. J'ai discuté avec un gars, lui, là, ils sont gentils, maintenant, quoi. Je m'imagine, ils leur payent un café, c'est bon. Mais l'autre, avant, là, c'est des grippes sous, quoi. Moi, ça fait, on venait plus lourd, lui, comme si j'en mettais. Le relais routier, salut tout le monde, le relais routier dont vous avez entendu parler, c'est celui qui se trouve à Saint-Pédarmont. Et c'est vrai qu'ils sont très bien là.
À Saint-Pédarmont, c'est sur le département 33, entre Libourne et Castillon-la-Bataille. Autrement dit, côté est du département 33.
dans les communes CES. Ah là, il est pas en échange, mais quand il le passe à... Là, il doit avoir un paye à peu près, mais bon. On peut le réduire, hein. On va réduire ça. Ah oui, mais t'es en position 6, là, non? Tu devrais avoir entre un 2 et un 3. Excusez-moi. Et il va falloir qu'on trouve la solution. Ouais, mais moi, ça, je pourrais raccourcir le câble. Ok. En tout cas, je déplace le fréquence même et je l'ai piqué carrément au-dessus de TX, l'Alpha Lima. Faut pas qu'il se voie, hein. Faut surtout pas que ça se voie, hein. Ah ben, il se voit pas actuellement, mais bon. Là, je fais une horloge un peu plus grande et que je puisse moduler, tu vois. Faut taper le 90 cm, là. Attends, le TX, c'est la fille, oui. Je ne sais pas si le 90 cm. Si, je ne dis pas de conneries, c'est tous des multiples, donc 80-45, 90, 1,80. Je ne sais pas, il n'a pas pris le mètre pour mesurer où il a pas mis gavé, exactement. Ouais, mais si j'ai bien retenu le leçon, c'est 45, 90, après 1,80. Je regarde comme il est exactement, à peu près approximatif, hein, parce que... C'est ça mon cri-cri, il parle de conneries. Oui, c'est ça. Ouais, moi j'ai fait ça à la louche, hein. Oh ouais, mais tu vois que tu fasses ça bien. Oh ouais, non, mais il faudra qu'à un moment, à peu près, je mesure comme il dit de l'homme de courant. Ah ouais, ouais, on fait ça, et je sais pas exactement, tu vois. De quoi? Si tu ne me sais pas, c'est pas moi qui vais te le dire. Ok, oui, j'avais mal compris. Je croyais que t'allais pouvoir me le dire. Je vais me dire, mais ça, ça paraît qu'il a avec quel ingrédient. Si tu les as fait, c'est pas trop pour moi. Attends, je m'inquiète pas. Non, non, mais bon, je mesure en portion. Je sais où il passe le câble, donc bon, je regarde à peu près par la mesure que ça fait. Voilà. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai dit à Eric que c'est à position 6 et aussi il y a 2. Je vais essayer de regarder si je ne veux pas soit alloyer le câble, soit le renforcer. Il faut que je redémonte la voiture pour tout ça. Oui. Ah oui, parce que moi j'ai le câble qui arrive de OTX qui sort au milieu du tableau de bord. Et qui arrive là où il faut, mais tant que tu le vois, ni rien, hein. Les gens, ils sont tous pressés d'aller bosser, c'est impressionnant. Tu vois, tu m'as vu du matcheur. De quoi? Ou alors, tu mets un petit matcheur. Par contre, Christian, j'ai vu qu'il y a
sais pas, c'est sur le bon coin, il y a un micro qui ressemble à il y a un Eagles, mais le mec, c'est à première vue, il a trouvé ça, il avait un fonds de commerce qu'il a dû racheter, tu vois, il n'est pas excessivement cher, je crois qu'il est à 20 euros, mais je sais pas, parce que c'est à première vue, c'est les, je pense que c'est les premiers qui sortaient, tu sais.
acheter un Zodiac là, pour aller sur une. Thank you.
Et qui passe toute une journée, pas juste un voyage là à côté. Tu vois, qui viennent sur Bordeaux et tout le bordel là, qui passe toute une journée avec le camion en Modeco. Et puis, que, tu vois, bon, qu'il est quand même un peu de boulot, qui voient des manques, mais en Modeco, c'est même pas la peine, effectivement, ça vaut vraiment rien. Ah ben ouais, non mais voilà, le truc il est là, hein, c'est qu'après, bon, si je sais faire, il n'y a pas de souci, si je sais pas, je sais pas, ça par contre, bon, ça, moi je, si demain je sais pas faire, ou si je ne connais pas, à la rigueur je vais demander, mais autrement, bon, tu vois, je vais pas me dire, si je peux me le faire, je vais me le faire, hein, ça va. Sur ta droite là est un peu serré.